nunca me mancava tu. És la teu veu i el teu riure, meu morena. Ai, morena, meu morena, lo que me manca de tu és el guitar que me feies, meu morena. Ai, morena, meu morena, lo que me manca de tu. Ai, morena, meu morena, lo que me manca de tu és la teu veu i el teu riure, meu morena. Ai, morena, muy morena, lo que me manca de tu, lo que me manca de tu és la teu veu i el teu riure. Los que
repente creí, sí, sí, que tu canción era una palabra, tu voz una llamada. Destino rojo brillante, cada una de tus heridas es una ventana entreabierta y en el mar. Destino rojo brillante, destino rojo brillante. Orgulloso bandolero, orgulloso bandolero, orgulloso bandolero. Ribera del gran río. Orgulloso bandolero, orgulloso bandolero.
Omar, 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 Omar. Omar, oh. Ala, tío. Yo, Omar, 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 Omar. Yo, Omar, oh. Yo, Omar, 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 Omar. Yo, Omar, Omar, yo, Omar, Omar. Yo, Omar, yo, Omar, yo, Omar, 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 Omar. Que yo y tú se estimaban.
auténticas en pasar. Tú y yo, en aquesta casa, hem tingut en aquesta casa Parillo, ole. Mucho bien, hombre. Lai, lo, lai, lo, lau. Lo, lai, lo, lai, lo, lai, lo. Lo, lai, lo, lai, lo, lai, lo. Lai, lo, lau. Lai, lo, lai, lo, lau. Lo, lai, lo, lai, lo, lai, lo. Lo lai lo lai lo lai lo lai lo la. Si quieres probar mi alegría, dime si quieres probar mi dolor. Ay, dime si quieres probar, ay, mi alegría. Ay, yo te seguiré, ay, todo el día. Ay, sin pedirte nada, adiós. Thank you.
le gusta. Seguiré, ay, sin perderte nada, ay, sin perderte nada, adiós. J'adore chanter dans des endroits comme ça. Moi, c'est la première fois, par exemple, que je chante en catalan. Chanter dans ma langue maternelle, quoi. Comme je parle de chez moi, dans mon quartier. Et quand Thierry m'a demandé qui pourrait nous accompagner, ma famille, bien sûr. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec la famille de Roberto,
donc du quartier Saint-Jacques à Perpignan, le quartier gitan. La culture de ce quartier, elle est très forte. C'est une culture qui appartient au patrimoine français. Les gens l'oublient, mais il y a une tradition gitane très forte dans le sud de la France. Et il y a la tradition du jazz manouche aussi, plutôt dans le nord. Mais il y a une tradition de rumba catalane qui est différente de celle de Barcelone et que moi, j'aime beaucoup et qui se marie vraiment bien à mes compositions musicales. Ay, morena, muy morena, meu morena, meu morena. Par le passé, on avait beaucoup travaillé et on avait un répertoire original. En l'an 2000, on a sorti Un ciel de cuivre. Et là, Roberto, il était le chanteur soliste avec mes compositions. Mais l'idée, 20 ans après, c'était d'avoir un nouveau répertoire. J'ai composé, il y a un an de ça, des nouvelles mélodies et j'ai écrit des textes qu'ensuite Roberto a adaptés en catalan, la plupart du temps, en gite en catalan, parfois en espagnol aussi. Ouais. Et puis on a travaillé en duo, parce que ce répertoire, on va le proposer en duo, tous les deux, en quartet, juste avec Roberto Junior et Chris, et les Palmeros et qui font les chœurs. Et puis cette version, Magavali, avec Zé Luis Nascimento et Francis Varis. Mais ce répertoire, il doit être capable de s'adapter à toutes les formules duo, quartet et puis sextet. En fait, on travaille souvent par téléphone au début, parce que forcément, la distance, c'est loin. Et quand il m'envoyait ou me disait quelque chose, je dis « mais c'est pas possible Thierry, j'arriverai jamais à faire ça ». Mais si, ne t'inquiète pas, petit frère, il m'appelle petit frère. Et finalement, après, on se voit, on travaille d'assez près, ouais, à la maison, chez lui. Et c'est comme ça que j'ai découvert, en fait, que j'avais d'autres possibilités de chanter. Et c'est grâce à lui, en fait. Sinon, c'était caché quelque part, je ne le savais pas. Merci Thierry. Moi, à la maison, il y a toujours eu plusieurs cultures. J'ai toujours eu à trouver un équilibre entre ces cultures. Et bien, dans ma musique aussi. C'est le reflet de ma vie. Et franchement, dès qu'on s'est rencontrés, ça se matchait direct, quoi. Au Havre, on a fait nos concerts. Ensuite, on s'est retrouvés dans les loges. Dans les loges, ouais. Ils nous ont chassés du théâtre parce qu'ils voulaient fermer. Je sais pas, il était 2 h du matin. Il y a quelqu'un qui nous a hébergés dans son appartement. On a joué de la musique toute la nuit. Toute la nuit, ouais. Et on s'est retrouvés à la gare pour prendre le train au petit matin. Exactement. On n'avait pas dormi. C'était la première rencontre. Hein, c'est ça. Et depuis, ben, on se quitte plus. Presque. Ce n'est pas les heures. Bon, maintenant ma version.